ôtez pas toutes, ôtez pas tous. C'est encore moins Doumbi Fakouli. Malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir, et surtout Kamit à 101%. Cette vidéo s'adresse à vous. Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et à Choguel Kouamaïga. Mais cette vidéo intéresse tout le monde entier, le monde Kamit en tout cas entier. Assimi Goïta, ou Choguel Kouamaïga, vous faites de grandes choses et tout le monde est d'accord, en tout cas tout le monde Kamit est d'accord. Vous faites de grandes choses, vous travaillez beaucoup pour notre indépendance. Mais est-ce qu'une indépendance est suffisante quand elle n'intègre pas le côté culturel avec un grand C et le côté spirituel avec un grand C? Vous n'avez pas encore fait ça. Nous, Kamit, nous voulons que notre pays, la Grande Afrique, soit un pays indépendant. Remarquez, quand vous réunissez à votre réunion, vous ne parlez aucune langue africaine parce que vous ne maîtrisez pas toute une seule langue africaine. Nous, nous voulons une langue africaine et vous avez l'opportunité de travailler à cela. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le kamitisme, vous le connaissez aujourd'hui. Le kamitisme est partout dans le monde. Et il y a le médoutère, il y a le médoutère, autrement dit les hiéroglyphes, qui sont notre première écriture et qui rassemblent toutes les langues ou presque africaines. Toutes les langues ou presque africaines. Nous avons des spécialistes du Sénégal à toute la diaspora, d'Amérique et des Antilles. Ils sont là. Ils maîtrisent les médoutères. Ils maîtrisent l'écriture et ils maîtrisent la langue. Ils ont trouvé que les langues africaines sont une suivance des médoutères. Et ils font des établissements pour montrer que dans telle langue africaine, ce qui est parlé, c'est une langue de l'Égypte ancienne. Toi-même, Assimi Goïta, tu dois savoir que c'est la stricte vérité. Ton ancêtre, notre ancêtre, qui a unifié les deux Égyptes, Nare Mari, que les Blancs appellent Narmer, c'est un Soninké. Alors ça veut dire qu'à l'époque, on parlait Soninké, ou une langue en tout cas fortement ressemblante au Soninké. Alors ce que nous voulons, Kémite, c'est que dans la prochaine génération, dans 2, 3, 4 générations, nous avons une langue qui soit commune. Alors pour cela, il faut commencer dès maintenant à travailler. C'est rassembler les spécialistes, organiser un séminaire où rassembler quelques spécialistes. Demandez-leur de faire des ouvrages pour nos écoles primaires, pour nos écoles secondaires, pour nos universités et pour tous ceux qui sont intéressés. Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés. Et là, nous allons revenir parce que nous allons tous partir de ce monde, mais nous reviendrons. C'est la réalité de la réincarnation chez nous. Nous reviendrons. Lorsque nous reviendrons, nous parlerons tous une même langue. Bien sûr, nos langues maternelles et paternelles vont toujours rester, mais nous aurons une langue commune qui va remplacer la langue du colonialisme. Nous ne parlerons plus une langue étrangère pour nous comprendre. Mais nous parlons notre langue à nous. Alors c'est à cela qu'il faut travailler pour avoir la véritable indépendance. Une indépendance sans unité linguistique, sans unité spirituelle, est une indépendance qui n'est pas complète. Alors retenez cela et travaillez cela. C'est ce que les Kamit veulent vraiment entrer dans l'histoire plus encore pour qu'aujourd'hui, on parle la langue de Nare Mari. Pour que dans 3500 ans et plus encore, on parle de vous, de ce que vous aurez fait. Nous, Kabit, c'est ce que nous attendons. Que vous réunissiez les spécialistes, il y en a beaucoup, du Sénégal, dans toute l'Afrique, dans toute la diaspora, des États-Unis, aux Antilles. Alors rassemblez-les, demandez-leur
d'établir tout simplement des manuels scolaires qui vont permettre à nos enfants et à nous-mêmes, quand nous viendrons, d'être de véritables Africains, de véritables Kémites. Nous voulons être ce que nous avions été. Nous voulons retrouver la place que nous n'avons jamais quittée, jamais dû quitter, le phare de l'humanité, où le second soleil est la seconde lune de l'humanité. C'est ce que nous voulons être. Alors travaillez à cela. Vous serez l'exemple. Vous êtes des ouvriers de route. On le sait, c'est à votre suite qu'il y a eu des coups d'État, ce que j'appelle des coups d'État, des rectifications, nous nous appelons. Donc vous êtes des ouvriers de route. Alors il faut continuer sur ce chemin-là. C'est ce que nous attendons de vous et d'autres panafricanistes à travers le monde qui ont le pouvoir de réagir, qui réagissent aussi dans notre intérêt, à toutes et à tous. C'est ce que je voulais vous dire. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de nous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Vie, santé, force. Amen, 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 amen.